Allez, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc là on est sur la commune de Chartuzac. Donc là on a un joli nid à mon avis au niveau de sous les tuiles, des interventions comme on les aime. Donc là bien évidemment on va soulever les tuiles et on va regarder ensemble ce qu'il y a là-dessous. Déjà j'ai fait un premier traitement. Déjà voilà. Ensuite, on va essayer de lever tout. C'est pas là. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'on lève une tuile, il y en a toute une rangée qui se lève. Bien évidemment, j'ai pas encore vu le nid. Donc le nid, il est pas là. Le nid, il est juste là. Voilà, vous voyez. Donc une belle patate. Voilà.
chez Johnny. Donc là, comme d'habitude, c'est des nids qui sont assez impressionnants et stressants à la fois. C'est que, bah, comme vous avez pu le voir, bah, il faut vraiment, on va dire, des tuiles. Surtout ces tuiles-là, elles étaient les unes collées aux autres. En fait, elles étaient auto-grippantes. Donc en fait, quand on enlève une, il y a quatre qui se lèvent. Donc bah, le temps de soulever, bah, on se fait attaquer. C'est jamais agréable hein, quand on prend des grosses attaques comme ça. Mais enfin voilà, donc là l'intervention est faite, là tout le monde va redescendre en termes de pression, on va redescendre. Tout le monde va rentrer au nid gentiment, se contaminer à la poudre et fin de l'histoire pour eux. Voilà, donc on est sur des nids vraiment énormes et extrêmement dangereux. Hein. Donc faire attention. Vous avez vu le front asiatique, hein. Ça pardonne pas, donc souvent des fois les couvreurs se font avoir. Donc les gars, les coureurs, vérifiez toujours en montée sur des tuiles si vous voyez pas un ou deux fronts rentrer. Donc là, le petit indicateur comme quoi il y avait un début de nid, en fait, on voyait cette cellulose de bois. Ça, c'est les frelons qui ont ils ont fait de l'étanchéité. Et quand on voit déjà la taille des ouvrières et surtout le nombre d'allers-retours, c'est le nid à population qu'il y a là-dedans. Mais là, c'est une vraie petite bombe. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez sur les tuiles, regardez. Et moi j'en ai en pagaille. Allez, bon ben maintenant le traitement est fini. On va redescendre, se déséquiper et puis voilà quoi. Bon, l'avantage avec les frelons, quand ils sont beaucoup comme ça, en fait, ils nous, avec leurs ailes, ils nous ventilent. Ça nous fait de l'air, c'est bien, ça fait un ventilateur, on va dire, naturel. Mais voilà, j'ai demandé aux clients deux fois de vraiment bien me checker la tenue, parce que ben, quand on est là-dessus, ben, après on est seul face aux frelons et là la moindre faille au niveau de la tenue. Bah là c'est terminé, hein. Ils trouvent la faille, ils rentrent tous, ils nous piquent et puis on meurt. Hein. Ok, allez sur ce les amis, c'était la dernière intervention de la journée, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.